Le titre de reconnaissance de la nation. J'en portais déjà le titre. La médaille avait été omise, et le fait que j'ai reçu la Croix du combattant avant. Que c'était juste pour la remise, parce qu'elle doit être officielle. C'est toujours émouvant et toujours agréable d'avoir une reconnaissance de ce qu'on a fait. C'est très 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 bien, je trouve. C'est une très bonne idée. Il faudrait que les jeunes s'arrêtent. Certains passent devant, mais ne s'arrêtent pas ou ne viennent pas. Les écoles y viennent, donc c'est très bien. On a au moins une génération future qui va peut-être reprendre la connaissance et se sentir un peu obligé de faire le devoir de mémoire. Sans que ça devienne vraiment une obligation, il faudrait que ça devienne naturel. Je trouve que c'est un bien. Il y a beaucoup plus de monde qu'autrefois. Il y a des fois qu'on n'a pas autant de monde. Et je pense qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus. Que les gens prennent conscience qu'il y a un devoir de mémoire. Et penser aussi aux jeunes d'aujourd'hui qui se battent encore, surtout à mes camarades qui sont actuellement encore actifs. Et qu'on perd aussi certains tous les jours. Moi, le seul appel que je peux lancer, c'est de dire aux gens de revenir sur les cérémonies et auprès des anciens combattants qui manquent de porte-drapeau et de personnes pour le devoir de mémoire. C'est important.